Elle a les couilles, cette meuf. Je suis morte à l'intérieur. Allez, continue, tu regardes, je suis par en bas. Regarde en bas. Je crois qu'après la naissance de mon fils, c'est le plus beau, c'est mon plus beau jour. Salut les gars, bienvenue ici à la zone Emeco, les sapeurs-pompiers de Wii. On est en compagnie du sergent Lefebvre. Et aujourd'hui, on va faire un test ici avec l'équipe. Vous êtes prêts, les filles ? Non. On va faire un test pour être potentiellement pompier. On a la question la plus importante aujourd'hui. Et je vais demander vraiment de répondre, sergent. Qui a la plus grande lance ? Qui a la plus grande lance auprès de vos collègues, sergent ? Voilà. Pose la question. Visiblement, on a trouvé. C'est parti. Vous êtes prêts ? Comme un fou. On va faire quoi, concrètement, rapidement ? Le premier test, ça va être le fameux TPMO, donc le test physique annuel. Et on va monter à l'échelle, on va faire plein de trucs. On va essayer, oui. Et on ne part pas en intervention, nous. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, c'est un test annuel que chaque pompier passe ici pour évaluer sa capacité à aller au feu. OK ? Le but, évidemment, tout ça, c'est... Vous ne le faites pas en courant. Non, il ne faut pas en courant. Ne le faites pas en courant. Il y en a qui le font en courant, il y en a qui essaient de faire un temps. En réalité, il faut trouver l'équilibre entre le temps et la consommation d'air. Il le fait en courant. Mais c'est un grand malade, il le fait en courant. Mais ça, c'est parce que dans son ego personnel, il s'est dit, vas-y, je fais moins de 4 minutes. C'est sûr. Il a presque l'air bon. Ça va être beaucoup moins stylé quand ça sera nouveau. Allez, le pneu, c'est pour me terminer. Ah oui, il y a un fameux recul, t'as vu comment il est projeté vers l'avant ? Et t'entends comment il respire, lui. Putain, mais ça tue, ça ! Putain, ah, là, ça, c'est pour l'honneur, ça. Voilà. C'est vraiment très physique. J'ai rarement fait quelque chose aussi physique, je crois. Par contre, elles vont chier, les deux, là. Vous n'êtes pas prêtes, hein, les filles. Bon, maintenant, on va bouffer, hein. Ça va ? On fait après. Elle est pas bien du tout. Mais non, mais moi, je vais pas bien non plus, hein. Mais en fait, vraiment... Ce qui te flingue, c'est ce mannequin. Ça va ? Ça tire plus. Mais franchement, elle lâche pas l'affaire. Hein. Ouais. Tu sais quoi, ça m'étonne pas d'elle. Elle est une hargneuse, Manon. C'est vrai, hein. Si ça va pas, tu préviens quand même. J'appellerai les pompiers. Bah, franchement, si elle fait tout, elle me flingue, quoi. Elle va aller faire ça. Regarde ses yeux, il commence à se révulser. Voilà, c'est bien. Bien Manon, allez, t'y es là, il n'y a plus que la pince et puis c'est bon. Je suis bluffé. Yes, bravo. Je suis morte à l'intérieur. 170. Oui. Allez Soso, c'est parti, ça démarre, on y va Soso. J'ai encore plus de respect pour les pompiers là. Soso, je vous dégage. On garde le rythme Sophie. Allez, Soso, tiens bon là, t'es au mannequin. Bientôt la fin là. De ta vie, globalement. Fin de ta vie. La fin de ta vie. Franchement. Elle va pas lâcher, tu sais. Mais et je vous jure, quand moi je l'ai fait, je me suis dit, elles vont jamais finir. Mais si on le fait à ton intensité, on finit pas. Du coup, c'est beaucoup. Allez, Soso, vas-y, t'y es là, y'a plus que la pince. Et puis tu peux décéder en tranquille. Ouais. En paix. Décéder en paix. Et elle y est, on peut l'applaudir s'il vous plaît, bravo! Alors juste, ça tournait pas, on la refait Sophie s'il te plaît? Très bonne manne. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est des... Qu'on sera pas pompier? Non. Qu'on sera pas pompier de 1 et de 2, que ce sont des machines de guerre, ces pompiers. De guerre, honnêtement, faire ça en moins de 4 minutes, je ne comprends pas. Bon, les gars, on est avec Christophe qui va nous faire le parcours ici. Comme on va se mettre en situation comme si on était dans un incendie. La pièce est remplie de fumée. Alors, on a un espèce de masque occultant. On sera sous oxygène avec la bonbonne, etc. Et le but, évidemment, va être de suivre le tuyau, rentrer d'un côté, ressortir par la porte qui est là-bas. Je ne verrai absolument rien, donc vraiment se mettre en condition de feu. C'est ça, exactement. Par contre, c'est pas de l'oxygène, c'est de l'air. Et là, je peux me lever alors.
Pas très bizarre, mais je me remette à quatre pattes. Alors, j'ai l'air de pouvoir progresser. Ok. Ok, c'est ça. Allez, elle est très grande, j'aime pas. Voilà, yeah. Et je suis vivant. Ah ouais, c'est ça que j'ai fait. On visualise plus ou moins ce qu'on ressent. Et c'est rarement des ça. Des fois, c'est... Et moi, c'était pas du tout ça. Hein. Ah bah voilà. Pourtant, mais pas du tout. Pourtant, je me projette bien. En général, en immobilier, on m'appelle Stéphane Plaza. Hein, donc, Je pensais pas qu'il fallait être autant à quatre pattes. Ah si, si. Parce que plus tu montes, et plus ouais, il fait plus, chaud. Ouais, et c'est vrai. Il fait chaud. Donc ça dépend comment la sortie est développée. Uh-huh. Tu peux avoir 60 degrés à ce niveau-là. 150 degrés ici. Ouais. Tu vois. Donc c'est ça que tu dois avancer. Ça, j'avais l'impression que c'était un truc tout tortueux comme ça. Ah non, non. Alors. Plein de morve. C'est un peu ce que super cool, franchement, ta respiration, t'étais dans le calme. Ah oui, bah. C'est super bien. Faut pas s'exciter, hein. Salut les gars, alors je vous présente Betty la cochonne, comme on l'appelle ici à la caserne. Non, sans rire maintenant, on passe à la dernière étape, les ouais. filles. C'est l'étape ultime. Celle-là, les gars. Celle-là, t'es pas bien. Tu es mort. Vous allez me rattraper là-dessus. Hein. Vous allez me rattraper alors, si là-dessus. Si tu tombes, je te rattrape pas, je t'assure. Tu restes là. 32 mètres de haut, les gars. J'ai le vertige. Je suis dans la merde. Bon, allez, c'est parti, on y va. Manon, tu le fais, t'es mon dieu. À cette hauteur-ci, si vous voulez rassurer Jay, je vois les collines. J'avoue que c'est un peu sportif. Manon, regarde à gauche. T'es une malade, meuf. T'es une malade. Eh oh, ça bouge même pas. Ça bouge même pas. Il y a du vent et ça bouge pas. Ouais, mais comme par hasard, quand ça va avec moi, ça va bouger, tu vas voir, ouais. Oh, il y a un terrain de foot. T'es impressionnant, quoi. Elle a les couilles, cette meuf, hein. Elle en a de bien plus grosses que moi, hein. Regarde en vol, regarde en vol. Le cap de waouh, là ça commence vraiment à être haut. En fait, il y a un moment quand tu arrives plus ou moins là où elle est, t'as à côté un gros tuyau et l'autre côté des grosses machines, donc ça devient étroit en fait. Donc tu dois un peu te. C'est et ça là, qui est. Et là, c'est un peu moins agréable. Oh, oh putain, elle y est. Check. Putain, j'ai déjà peur, les gars, j'ai déjà peur. Oh putain, ça va pas. Oh, je me sens pas bien là. Allez, continue, tu regardes, je suis pas en bas. Je regarde pas en bas, je regarde juste les échelons. Oh putain, je vais pas lâcher maintenant. Oh là là, c'est trop petit. Et je crois qu'après la naissance de mon fils, c'est le plus beau, c'est mon plus beau jour. Le beau jour de ma vie, les gars. Putain, merci, quoi. Trop content. Alors, sergent, première question, évidemment, pour essayer de que les gens puissent s'identifier, hein, s'ils ont envie de devenir pompier. Quelles sont les compétences requises pour devenir pompier? Alors, les compétences, elles sont vraiment multiples. Hein. Ouais. Victorinox, un couteau suisse. Ok. Voilà, donc c'est une capacité de s'adapter. Une intervention n'est pas une autre. Alors, les personnes qui voudraient s'engager comme volontaires, effectivement, ils doivent d'abord faire un peu le parcours du combattant. Une formation à l'EPAMU pour être secouriste ambulancier. Nous, notre zone, tous les sapeurs-pompiers sont secouristes ambulanciers en plus, qui est une des principales fonctions que j'allais dire, ouais. Voilà, au niveau intervention. C'est une grosse part de notre métier. Une volonté de rendre service aussi, voilà, au niveau esprit. Et puis, oui,
savoir une dimension d'effort et d'adaptation. Voilà. Et alors, il y a un vrai truc aussi, et qui est une spécificité, je crois, quand même au métier de pompier, c'est que vous avez des horaires assez spéciaux. Je crois que vous avez 24 heures de garde, parce que c'est des choses qui peuvent plaire aussi à des gens qui voudraient demain s'engager. Voilà. C'est de dire, bon, ben, en fait, c'est intéressant, parce que vous faites 24 heures de garde et puis vous avez 3 jours de congé. 72 heures de repos. Ouais. Voilà. Voilà. Ça, j'ai... Ça, tu as enregistré. Celui-là, je l'ai bien enregistré, les 72 heures de congé. Quel est le salaire d'un pompier? Ça peut intéresser aussi, parce que bon, on dit que c'est un métier à risque. Est-ce que vous êtes bien mal payé? Ça se passe comment? Au niveau du salaire, ben, je dis qu'il y a des barèmes, donc ça, voilà. Et alors, oui, on a une valorisation, on a quand même une prime d'opérationnalité. Donc la prime d'opérationnalité, elle représente 38%. Et donc, on a une prime de 38% quand on preste, en plus du salaire de base. Quand vous prestez, ça veut dire quand vous êtes en opération? Chaque fois qu'on est ici en travail, on a la prime. Ici, en caserne? Oh, voilà. D'accord. Mais a priori, vous devez être en caserne, non? Ah oui, oui. Ouais. Je veux dire, celui qui est malade, bah, il n'a plus cette prime-là. D'accord, celui comme qui est ça. Congé, d'accord, il ok. Plus d'accord, la prime. D'accord, quand, d'accord. Il prend, quand vous prenez vos vacances annuelles, vous n'avez pas la on prime. On va comparer ça un peu à un salaire fixe et ça, ce serait vos commissions. On va dire. Voilà. Okay, donc d'accord. C'est un truc qui est mobile, mm-hmm. En sachant bah, qu'il faut être full ops pour ça. Ouais. Donc il faut être opérationnel ambulance. Et pompiers. Non, et franchement, merci aux pompiers de Oui, les ouais, gars. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Emeco, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ouais, Emeco, merci à eux vraiment pour l'accueil parce que ça a été une journée de dingue. Et puis. On l'a fini en beauté. Hein. On l'a fini en beauté avec à 32 soleil, mètres de haut, les gars. Soleil, avec le soleil, les gars. Et puis, je voulais juste dire un truc quand même, parce qu'on a été accueillis comme des rois. Ouais, et ils sont tous des amours. On voit, ils ont transmis leur passion du métier, hein, c'est ça qui est ouf. Ouais, et on voit que c'est un métier de passion. Et donc, on vous invite vraiment à vous inscrire. En tant que volontaire aux pompiers de manière générale parce que c'est un boulot extraordinaire et puis on se dépasse et puis c'est des valeurs, c'est les plus belles valeurs je crois. Et puis vous aurez une tenue assez sympa. Bon allez, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, on fait des gros bisous et 20h, 22h, du lundi au jeudi, ça va? Ciao.